Salut tous les amis, c'est Kardex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 du tuto du magasin Carrefour. Alors souvenez-vous, dans les épisodes précédents, on avait réalisé le magasin au niveau de l'extérieur. On avait réalisé également ici le parking avec le camion. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à l'intérieur. Donc regardez, hop, il est là l'intérieur. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va réaliser vraiment l'intérieur de ce magasin ensemble. Donc je vais vous dire tout de suite les différents blocs que nous allons avoir besoin. Donc déjà vous allez pouvoir prendre le bloc de vitre teinté en noir, vous pouvez prendre le tapis gris, les dalles de quartz, les escaliers en quartz, les trappes en fer, les feuilles de chêne noir, les boîtes de shulker grise, le béton blanc et également les planches en bouleau. On va se retrouver tout de suite pour le tuto, n'hésitez pas quand même à laisser le petit like, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de chacune de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour me faire part de votre avis sur cette construction de l'ami. On se retrouve tout de suite pour le tuto. Ok, parfait les amis. Du coup, on va directement entrer à l'intérieur. Vous pouvez voir que pour le moment, on a de l'herbe. L'herbe, vous allez l'enlever. Vous allez mettre à la place de l'herbe le bloc de planche en bouleau. Donc, vous mettez le bloc de planche en bouleau partout à la place de l'herbe et on va se retrouver tout de suite. Ok, parfait, une fois que vous avez donc terminé de mettre le bois partout comme ici, on peut voir que j'ai juste rajouté des lumières temporairement le temps qu'on fasse l'intérieur. Donc maintenant vous reprenez le bloc de béton blanc, vous allez venir à ce niveau là vous voyez, et en fait tout simplement vous allez compléter tout le plafond avec le béton blanc et on va se retrouver une fois que c'est terminé. Ok, voilà, vous pouvez voir le plafond est terminé, donc j'ai mis du blanc partout. Maintenant vous pouvez prendre les lanternes aquatiques et maintenant on va passer aux lumières. Donc pour les lumières, vous allez venir par exemple sur le mur ici, d'accord, et on va hop venir là, on va laisser deux blocs là, un, deux, et on va laisser un bloc sur la droite ici, d'accord, donc un là et deux là. Ensuite vous mettez votre lanterne là, ensuite on va continuer en allant vers là-bas. Donc là on va laisser ici 5 blocs d'espace, 1, 2, 3, 4, 5 blocs d'espace, donc on a bien 5 blocs entre nos deux lanternes. Ensuite on va laisser 6 blocs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tac, d'accord. Et ensuite on va encore laisser 6 blocs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop. Et normalement, si on ne s'est pas trompé, on arrive pile au milieu, donc pile à l'endroit du milieu ici du magasin, d'accord. Donc ensuite je recontinue par là, donc 6 blocs d'espace, 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et là 5, 1, 2, 3, 4, 5, et c'est parfait. Maintenant vous allez faire exactement ce qu'on vient de faire là, jusqu'au bout, en laissant à chaque fois, regardez bien, 3 blocs d'espace, regardez, 1, 2, 3 blocs d'espace, tac, 1, 2, 3 blocs d'espace, tac, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop, et c'est bon, il nous reste 3 blocs encore. Donc faites ça pour toutes les lanternes restantes, hein. Donc ici pareil, du coup à chaque fois c'est toujours 3 blocs d'espace, c'est facile, maintenant vous avez juste à faire ça jusqu'au bout, et on va se retrouver juste après. Ok, voilà les amis, toutes les lumières sont faites, maintenant on peut reprendre le béton blanc, hop, on prend le béton blanc. Alors je vais aller vérifier un truc dans ma version, hop, qui est ici, je veux être sûr de ne pas me tromper. Donc là c'est bien 2 blocs d'espace, ouais, ok, 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 c'est parfait. Donc on prend le béton blanc, on va tout simplement hop, venir ici, hop, au niveau du mur ici. On va laisser 3 blocs d'espace, 1, 2, 3, et puis on fait 4, 1, 2, 3, 4, d'accord, comme cela. On prend ensuite la vitre teintée en noir, on va faire 1, 2, 1, 2, et on fait ça comme ça. Très bien. Ensuite, on prend le béton blanc. Là, on laisse 3 blocs d'espace. 1, 2, 3. Et on fait 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3, 4. Donc, on fait un U comme ça. 4 là, 4 là. Et là, on referme. D'accord. Ensuite, on laisse encore 3 blocs d'espace. 1, 2, 3. On refait la même chose. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on referme pour faire le U. D'accord. Ici pareil, 3 blocs d'espace encore une fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On referme pour le U. Là encore, 3 blocs d'espace. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, on referme pour le U. Et ici, pour la fin, on laisse 3 blocs d'espace et là, on fait un mur comme ça qui va aller jusqu'au coin du magasin. Donc si je vous fais une petite vue un peu aérienne, voilà plus ou moins ce que ça nous donne. Donc on a 4 U au total. Vous prenez ensuite les tapis gris et on va venir en placer sur nos U justement. Donc on fait ça comme ça pour rajouter du détail. Ok, parfait. Vous prenez la vitre teintée en noir. Vous allez faire entre chaque U. Donc il y a toujours 3 blocs d'espace. Et bien tout simplement, vous allez faire 4 vitres comme ça à chaque fois. Regardez, 1, 2, 3, 4. On fait ça pour tous les niveaux, hein, tout niveau au milieu. Hop, et ici, 1, 2, 3, 4. Super. Quand c'est fait, on prend le béton blanc et on vient tout simplement enlever 4 blocs qui sont en dessous de la vitre pour mettre du béton blanc. Voilà. Quand c'est fait, c'est parfait. Vous pouvez prendre maintenant les boîtes de shulker grise. Vous venez juste ici et vous allez en mettre une là et une là. Voilà. Donc ça nous donne ça. Et ensuite, vous prenez n'importe quelle feuille, vous prenez celle que vous voulez, et on vient en rajouter comme ça pour avoir un peu de végétation dans le magasin. Ensuite, on va pouvoir maintenant s'attaquer à ici, à l'intérieur. On va prendre des escaliers en quartz, on va ici laisser, enfin, on va aller sur la ligne. Ici, on va laisser 3 blocs d'espace, 1, 2, 3, et puis on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comme ça. Donc on laisse 3 blocs sur notre gauche, regardez, et 3 blocs sur notre droite. On fait ça, hop, sur 3 niveaux. Tac, et ensuite on termine avec des dalles en quartz. Donc regardez, hop, voilà comme ça. Super, on fait la même chose de l'autre côté. Donc exactement la même chose, tac, 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 tac. Et on finit avec nos dalles en quartz. Ensuite, on va recommencer ce qu'on a fait là, toujours en laissant 3 blocs d'espace. Regardez, 1, 2, 3, on recommence. D'accord, vous voyez, à chaque fois, on recommence, toujours en laissant 3 blocs d'espace. 1, 2, 3, on recommence. Et 1, 2, 3, on recommence. Ok. 1, 2, 3, hop. Et encore une fois, 1, 2, 3, tac. Là, ici, c'est normal si au niveau du mur, vous avez que 2 blocs d'espace, hein, c'est tout à fait normal. Il n'y en a pas 3 pour le dernier ici. Donc voilà, j'ai fait avec vous les trucs. Donc là, vous recommencez jusqu'en haut, jusqu'on a fait là. Faites la même chose pour tout ici. On va se retrouver juste après. Ok, voilà les amis, donc terminé de faire les étagères, hein, de ce côté-là. Maintenant, on va encore en refaire une ici. Donc on laisse également 3 blocs d'espace. 1, 2, 3. Et hop, on va en refaire une de ce côté-ci. Voilà, donc c'est assez simple, hein, le processus est toujours le même. Toujours monter jusqu'à 3 blocs en hauteur et puis mettre les dalles. Hop, hop, ok, donc là on met nos dalles. Très bien, on va encore en refaire une ici. Donc on commence au niveau du béton blanc, regardez bien. Hop, pour les 3 blocs d'espace. 1, 2, 3, 4, 5, parfait. Et du coup, tac, 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 on peut monter encore une fois comme ça. Voilà, hop, l'autre côté également. On met ensuite nos dalles. Ok, très bien, donc tout ce qui est étagère, on est bon. Maintenant, on va venir ici, dans le fond, on va prendre
là, enfin le bloc de glace, ici le bloc de verre bleu clair, vous le prenez. Vous allez faire comme ça à chaque fois, deux en largeur, faites ça jusqu'au fond, à ce niveau-là. C'est parfait, donc une fois que vous avez fait ça, comme cela, vous prenez les escaliers en quartz et vous les placez à l'envers. Tac, comme cela. Ensuite, vous prenez les dalles de quartz, vous allez venir en mettre là, vous voyez, vous laissez hop, comme ça, et vous en mettez sur tout le long également. Vous l'avez peut-être reconnu, ce sera ici l'endroit où il y a les congélateurs, bien évidemment, dans les magasins. Donc, il y a des congélateurs ici, en bas, et on va également en faire en haut, regardez. Donc on va faire à chaque fois deux blocs, comme cela. Et on va faire ça jusque de l'autre côté. Et ensuite on remet une dalle de quartz sur tout le long. Ok, parfait. Donc on a fini à ce niveau là. Je pense qu'on a quasi terminé le tuto. Hein. Il nous reste encore pour quelques détails. Vous prenez les trappes en fer et vous pouvez tout simplement en placer au-dessus, enfin en dessous plutôt, des lumières. Donc hop, vous faites ça sur la totalité du magasin. Ça rend encore un peu plus beau, moi je trouve. Voilà, donc on fait ça jusque l'autre côté, hein, bien évidemment. Ok, parfait. Et donc là, les amis, nous avons terminé le tuto. Hein. Je pense ne rien avoir oublié dans ce tuto. Après, vous pouvez toujours ajouter des détails personnels, hein, vous, de votre côté. Mais moi, en ce qui me concerne, je pense que je vais rien rajouter. Ça me plaît vraiment comme c'est là. Donc, les amis, je pense que notre série, hein, du Carrefour est terminée. Donc, on a fait nos trois épisodes. Hein. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller regarder les autres épisodes. Hein, à mon avis, de toute façon, si vous êtes là, c'est vous allez regarder l'épisode 1 et 2. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite série de 3 épisodes de ce magasin Carrefour. C'était Kardex, on se retrouve assez vite pour de prochains tutos, de prochaines vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à me donner votre avis. C'était Kardex, salut à tous!